J'ai fait ce métier depuis à l'école professionnelle de Bokeh. J'ai fait 4 ans de formation. J'étais sorti avec mention. Maintenant, je suis venu avec Maître Charles. Il m'a donné ce métier. Je suis fier de lui. Je suis fier de moi-même. Parce que j'ai aimé ce métier-là, de près et de loin. J'ai tout donné avec ce métier. Une fois, j'ai fait ici encore plus de 4 ans. Il m'a aidé à avoir un stage aux sociétés Rusal Kobad. J'ai été là-bas, j'ai fait là-bas 10 mois. On nous a appelés encore pour faire le test. On nous a demandé les dossiers. J'ai envoyé les dossiers en même temps directement. On a fait le test. J'ai eu, mais on nous a dit là-bas une dernière fois que nous ne vont pas prendre des femmes. J'ai dit ok, j'étais découragée parce que je n'ai pas donné. J'ai donné mon cœur, mon âme pour ce métier. Encore, je suis revenu. Le maître m'a donné du courage avec ce métier. Comme j'ai l'amour de ce métier, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, maître, je veux faire ce que je veux. Je veux faire ce que vous m'avez donné. Je veux faire plus que ça, Inch'Allah. Il dit ok, il n'y a pas de problème, Fanta, je compte sur toi. J'ai dit ok, Dieu merci. Je vais lancer un appel pour, avec toutes les filles ou des femmes, de venir faire comme nous, de prendre du courage. Ne regardez pas derrière. Foncez dans le métier. C'est le métier, seul le métier qui ne va jamais te faire trahir. J'ai été à Sierra Leone, c'est là-bas que j'ai étudié. Et puis quand j'ai abandonné l'école, j'ai décidé de venir ce matin pour apprendre la soudure. Quand j'ai venu, mon oncle m'a aidé, il m'a envoyé ici. Bah, je remercie Dieu. Maintenant, là, quand on me donne une porte, je peux faire moi-même jusqu'à ce que je vais terminer. Je peux faire les fourneaux, les fenêtres, mais pour les portails, je ne peux pas d'abord, mais je me débrouille. Je continue à croiser mes amis de venir nous rejoindre ici, à faire la métier avant de rester abandonné à la maison comme ça. Ce qui m'a poussé à faire la soudure, c'est à cause de mon père. Mon père a rendu l'âme, il faisait la soudure, c'est pour cela que j'ai fait la soudure. C'est à cause de l'ami de mon père, celui qui m'a pris ici. Avec sa fille, il nous a envoyé ici pour faire la soudure. Si je quitte à l'école, je vais au travail. Si je quitte à l'école, je vais au travail. Après le travail, je pars à la maison, je revise. Mon ambition, c'est quoi? C'est de quitter. Quand je finis avec mes études, je viens et je travaille. Il n'y a rien qui m'empêche de travailler. J'ai tout le temps de travailler. J'ai l'amour de ce métier, c'est pour cela que je le fais. J'ai ce message pour mes amis, mes collègues, de venir faire le travail. De ne pas juste se mettre à l'école, de venir chercher un boulot parce que c'est important. Le métier, ce que je fais là, parce que j'aime, c'est pour cela que je le fais. Quand je quitte à l'école, je viens ici. Je dis ça à mes collègues pour qu'ils viennent me rejoindre ici. Ok? Pour qu'ils viennent me rejoindre, faire tout ce que tu veux. Si tu aimes le métier, faut faire. C'est pas ça seulement, la soudure seulement que tu vas faire. Il y a d'autres métiers encore. Il y a la couture, le mécanicien, la soudure, le plombier, maçon, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Tout ce qu'un homme fait, une femme peut le faire encore. J'encourage mes amis à venir faire le travail. Au début, c'est un peu difficile de le faire. Mais comme on le dit, si tu veux, tu le peux encore. C'est pourquoi je viens à la fois et aussi à l'école. Je veux même terminer les études et puis aussi me perfectionner dans ce métier. Après le cours, j'ai déjà établi mon emploi de temps. Après le cours, c'est pourquoi même d'ailleurs j'ai décidé de choisir l'option littéraire. Parce que là, nous avons beaucoup de cours de 12 heures. Puis après là-bas, je viens directement ici à l'atelier. Beaucoup pensent que nous les filles, nous ne sommes capables de rien. Que nous ne pouvons rien accomplir dans la vie. Que d'être seulement, je veux dire, pour satisfaire les hommes. Avec ça, je tiens à les dire de se courager et de faire beaucoup d'efforts pour intégrer un travail qui les convient et qui l'aime aussi. J'ai aimé la soudure parce que je passe ici pour aller au marché, je vois mes amis qui font la soudure, je les vois, ils sont beaucoup encouragés. Quand je passe ici, je les vois, ça me touche, j'ai décidé de venir apprendre ce métier. J'aime beaucoup ce métier quand même. Oui, j'aime beaucoup ce métier. Et je veux continuer à le faire jusqu'à ce que Dieu me donne la chance d'avancer. Ils m'ont encouragé quand même de continuer mon travail et de bien l'entretenir. Quand je viens, je dois
m'occuper de mon travail au lieu de jouer ou bien au lieu de faire de la pagaille. Je dois prendre mon travail en sérieux, être une grande fille pour ne pas que les hommes me traitent d'une manière qui n'est pas bon. Après, j'ai décidé d'apprendre ce métier parce que je ne veux pas me marier et souffrir. Tu dois apprendre le métier demain pour ton avenir. Au lieu de te mettre dans les hôtels pour faire des bêtises, il vaut mieux de venir apprendre le métier demain pour ne pas que les hommes se moquent de toi et te traitent d'une manière qui n'est pas confortable. C'est ça, mes amis qui n'ont pas appris quand même, qui sont au dehors, je les conseille quand même de venir me rejoindre. Comme je suis, je me débrouille un peu quand même. Depuis lors, je suis là. Je me débrouille quand même. Je suis fière de moi. Là où je suis, même si je n'ai pas, je suis fière de moi quand même. D'être ici avec mon maître. Il m'encourage. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour moi. Quand même, il m'encourage beaucoup. Et je lui apprécie aussi de tout ce qu'il me fait. Tout ce que je ne connais pas, je le demande. Il nous montre si ce n'est pas ça, on rétouffe. Quand même, il fait beaucoup pour nous. Et j'apprécie ça quand même. Voilà, là, depuis que mon père est venu, je suis venu à la maison. Donc, depuis que mon père est venu à la garage, je suis venu à la maison. 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 Je suis Nato galla ne bal me disance me jomba jomba hebata don inane modian wadi accidan ko golla tato kolli makko den didi taje donc depuis non taje ça fait un an ha joni selali taw parce que barmo no tidire ha joni selal mi amar no be dido sar sir sar zona du do hore han be jangay ko defense fiji din foko mi tawla fala de golla golden no wela la mojjano metti no ka wonki Allah yide mi walato mi miijo fi metiye on han kono mi fuɗɗitorta hara mi gollay o wona ka hoore am parce que no welala ɗum finire kam mi tawa mawɓe am ɓe metiye no welala mais modangi no barmi mi wata yiwde ɗon ɓen nayi ko ɓayo barmi donc fiɗim ɗon piiji ɗon hiɗi golle ɗen mais mi ronki andude kono mi ƴettitirta no mi gollira enta ɗen no hoore am ino modi an ino min kadi donc alo yoɓay luwa suudu. C'est avec beaucoup d'efforts pour que je puisse rassembler toutes ces filles-là. Ce n'était pas facile. Mais néanmoins, j'ai en train de me battre pour qu'elles deviennent quelque chose d'eux-mêmes. Important, puisque aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a vu moi-même, personnellement, j'ai vu que les jeunes filles sont abandonnées d'eux-mêmes. Ils commencent à un métier, à un certain point, ils laissent tomber. Mais néanmoins, j'ai en train de me battre pour que tu puisses devenir quelque chose. Mais on a commencé à peu près. Ça fait 2 à 3 ans de cela. C'est ceci qui était venu nous voir ici. Et nous ont recommandé de recruter les jeunes filles, de les former pour qu'ils puissent avoir un emploi conforme à leur état. On s'est battu, on a regroupé les filles. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certaines qui viennent. Jusqu'à un certain point, elles sont découragées. Pourquoi? Il y a certains parmi eux, dès qu'ils gagnent l'emploi, dès qu'ils font apprendre le métier, les parents ne viennent pas en aide. Ou bien dès qu'ils partent demander l'emploi à une entreprise, on dit que c'est des jeunes filles, on ne peut pas les engager. On a ce problème. Maintenant, moi personnellement, je me suis engagé envers leurs parents, envers moi-même, pour me battre directement pour qu'eux-mêmes puissent devenir quelque chose. Sur ce, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? L'atelier qui est ici est devenu trop petit, puisqu'on a plus de 100 personnes qui sont dans cet atelier. Quand vous mesurez directement, ça ne fait même pas 45 mètres carrés. Je me suis battu maintenant de construire un autre atelier qui est plus grand que ça. À peu près, l'atelier il a pu faire au moins 14 mètres de large. On se bat pour construire, pour finir maintenant. Quand même, on a mis les piliers, on a mis la toiture, mais on n'a pas la source de revenus maintenant. On est bloqué à ce point-là. Quand on finit là-bas, on sera obligé de former des jeunes filles et des jeunes garçons. Puisque aujourd'hui, les jeunes garçons, quand vous regardez les jeunes garçons, ils vont commencer à prendre le métier jusqu'à un certain temps, ils abandonnent. Dès qu'ils abandonnent seulement, ils deviennent un délinquant. Puisque un soudeur qui n'a pas abouti à son métier, il deviendrait un grand voleur. Sur ce, j'ai en train de me battre pour que les enfants là, qui n'ont pas leurs parents ici, qui n'ont pas leur maman ici, aucun membre ici, tous ceux qu'ils ont ici, soit l'oncle ou bien la tante.
C'est tout ce qu'ils ont ici. J'ai en train de me battre pour qu'eux puissent devenir quelque chose. Aujourd'hui, je peux vous assurer, les filles qui sont avec moi ici, quand on leur donne une porte d'une école, avec les dimensions standards, tu leur donnes la dimension, y compris les matériaux, tu les laisses faire, ils peuvent le faire une journée, une porte. Y compris les fenêtres. Les portes de latrine aussi, elles sont capables de le faire, sans commentaire. Le pays qu'on gagne ici, là, eux et moi, on se partage de ça. Même leur manger, même à midi, c'est moi qui suis chargé. Les chaussures, les tenues, c'est moi qui suis chargé de faire tout ça là. Ici, il y a la possibilité au niveau des ONG de venir nous aider pour que les jeunes filles qui sont avec moi ici et les jeunes garçons de venir nous donner les moyens, eux-mêmes de venir voir ce que nous-mêmes, avec ces enfants-là, ce qu'on avait produit à Sangrédi. D'abord, on a construit un atelier digne de nom. C'est tout Sangré qui parle de ça là. Mais pas moi, à mon effort seul, avec tous ces enfants-là. Parce que sans eux, je ne pourrais pas devenir quelque chose. Et sans moi aussi, eux aussi ne pourront pas devenir quelque chose. Maintenant, on se donne la main maintenant, que eux et moi, on se donne la main, on finit notre atelier pour que l'atelier puisse grandir. Et si l'État peut venir directement nous aider, nous envoyer des contrats, tout pour qu'on puisse grandir aussi. Ça nous ferait plaisir. À chaque fois, si il y a des travaux, je pars même dans leur foyer, demander à leurs parents de laisser leurs filles venir. Après le boulot, je pars me voir avec leurs parents pour leur dire directement ce qui s'est réellement passé. Puisque au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez Fanta Samake, c'est une jeune fille que j'avais recrutée dans mon atelier ici. Elle a fait l'école professionnelle avec moi. Elle a fait 3 ans d'école, 4 ans. Après la sortie, elle est allée faire son stage à Rusal. De là-bas, elle a fait 10 mois. Après 10 mois, elle a eu le stage, le test. Elle était première. Selon Rissal, la politique qu'ils ont faite, directement, qu'ils disent, ah, nous, on a demandé un homme, pas une fille. Elle était complètement découragée. C'est moi qui est allé même reprendre encore. J'ai dit, viens, il ne faut pas avoir peur. Quand tu cherches, tu vas trouver. Mais quand tu ne cherches pas, tu ne vas jamais trouver. Celle-là, Kadiatou, elle est venue se voir avec son oncle. Ah, je vais apprendre ce métier-là. Vu sa corpulence, j'ai dit, tu ne pourras pas le faire. Elle a dit, non, moi, je vais le faire. Je l'ai encouragé, à chaque fois, je l'appelle. Celle-là aussi, elle fait la 11e année, Abibatou. Je lui ai dit directement, qu'est-ce qui t'a poussé d'aimer ce métier-là? Elle dit, maître, j'aime ce métier. Je veux exercer ce métier-là, faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et même que celle-là aussi, son papa, c'est un soudeur. Ses frères l'ont dit de faire la couture. Elle a dit non. Ce que vous faites là, moi aussi je vais le faire. Celle-là, c'est la fille à un anti-ami à moi. Paix à son homme. Je suis parti la chercher. Elle aussi, elle fait la 12e année. Quand il y a des boulots, je pars la chercher là-bas. Je lui ai dit, viens ici. On ne sait pas où se trouve ton avenir. Jacqueline, elle a soeur à Séni. Un beau jour, je l'ai vu, j'ai vu ses parents ici. Ah, on veut envoyer notre femme, notre fille. J'ai dit, il n'y a pas de problème. De cela, les deux sont venus. On se bat pour les deux là, pour qu'ils puissent travailler, apprendre le métier. Au lieu qu'elle s'adonne aux hommes, elle s'appelle Marie-Jeanne. Son papa l'a dit, tu ne feras pas autre métier si ce n'est pas la soudure. Elle a fait 2 ans avec moi. Mais au jour d'aujourd'hui, presque c'est elle, c'est elle qui est là comme leader. Est-ce que vous avez vu? Même s'il n'y a pas de travail ici à l'atelier, elle va rester ici jusqu'au soir. Moi aussi, le peu que j'ai connu, ce peu qui est dans ma tête, je me sacrifie pour que eux, les filles, puissent connaître quelque chose, pour qu'elles soient indépendantes d'eux-mêmes. Parce que quand une fille demande à un homme, donne-moi 1000 francs, elle va te dire directement que, après on va se voir là-bas. Mais aujourd'hui, quand il y a un véhicule qui vient ou bien une moto vient, on ne va souder, dès qu'elle soude seulement, elle a 10 000, 20 000, 30 000. Elle rentre avec ça. Elle n'a pas besoin d'aller demander un homme. Maintenant, parmi eux tous ici, c'est elle qui est leur conseillère. Puisqu'elle a vécu un fait, elle ne veut pas que ça se répète. À chaque fois, elle dit, vous êtes ce maître Charles. Vous ne le connaissez pas mieux que moi. S'il vous dit, les garçons qui sont ici là, ne les suis pas, ne les suis pas. Tout ce que vous amenez ici, c'est le métier.
les garçons aussi qui sont ici là, elle peut s'amuser par le tout et tout, mais l'amitié entre les garçons qui sont ici et les filles qui sont ici là, quand je vois, les deux là sont renvoyés. Il n'y a pas de tolérance dans ça. Parce que ça va éternir mon image. À moi seul, si j'ai la possibilité, je préfère m'engager pour les filles là. Chacune d'entre eux n'a qu'à ouvrir un atelier pour qu'elles soient indépendantes d'eux-mêmes. Mon souhait, c'est ça. Même les apprentis garçons aussi, quand j'ai les moyens, c'est ce que j'allais faire. Puisque aujourd'hui, abandonner un soudeur qui est formé jusqu'à un certain temps, il abandonne son métier et deviendra un grand voleur. Puisqu'il connaît toutes les tic-tac, comment gâter la porte, comment ouvrir. Là, quand un voleur sait comment ouvrir, tout là, c'est fini. Hein. Quelle que soit la garantie d'une porte directement qui peut détruire. Et s'il y a la bonne volonté qui peut nous aider directement de venir en aide pour qu'on puisse se donner la main et que toutes les filles là, et les garçons qui sont ici là puissent apprendre le métier, qu'ils gagnent un emploi conforme pour ne pas qu'ils deviennent délinquants.